Vous vous appelez comment? Ben, je m'appelle Jocelyne et Claudine. Moi, je suis bénévole au centre social et je suis adjointe secrétaire au bureau. On a fait une vente d'enveloppes, il y en avait 114, on les a toutes vendues et on est très contents parce que l'année dernière, il y en avait presque autant et on en a vendu moins. Claudine et moi, on est très heureux. On est très contents, voilà. On a sourire, hein. On est contents. Est-ce que vous travaillez au centre social? Oui, moi j'y suis tout le temps, je suis bénévole. Et Claudine, elle fait la cuisine le vendredi. Moi, je suis que bénévole. Et est-ce que vous aimez cuisiner? Ah oui, c'est pour ça que je viens tous les vendredis. J'apprends à faire des cuisines que je ne connais pas. On fait des cuisines, on fait de la cuisine. Les dames turques nous montrent, les dames maghrébines nous montrent à travailler. Nous allons démarrer les jeux en équipe. Est-ce que vous allez jouer au jeu d'équipe? Ben non, on ne peut pas. Il faut qu'on range tous nos affaires maintenant. Puis on n'a pas d'enfants avec nous, alors donc on ne peut pas jouer. Hein. Est-ce que vous allez faire des danses? Non, on va s'occuper des frites. Vous allez manger? Ah oui, on va faire la cuisine, on va faire à manger. Je sais plus quoi dire. Moi, je vais danser, moi. Ouais. Toute la nuit, ah oui. Vous allez danser avec des enfants, avec des adultes? Oh, moi, ça fait rien. Moi, je peux danser toute seule. Ce qu'il y a de bien maintenant, les danses modernes, on peut danser toute seule. On n'a pas besoin d'avoir un cavalier qui t'invite. Parce que tu vois, comme on est un peu âgé, les messieurs ne se déplacent pas, on vient nous chercher, alors on danse toute seule. Ça va très bien. C'était fatigant de travailler? Oh non, ça a été très agréable. Aujourd'hui, on garde du bon temps, les gens sont très sympathiques. Donc il y a une équipe qui a joué le jeu pour le centre social de Revigny, c'est chouette. De lancer chacun deux palettes. Vous habitez ici? Oui, moi j'habite à Revigny, j'habite au-dessus du centre social. Et Claudine habite à Montvert-Espagne. Mais ma fille est institutrice à l'école Pergaud, où tu vas à l'école sûrement, à l'école Pergaud de Revigny. Et je suis la maman de la maîtresse. C'est pour ça que je suis bien à Revigny, de venir au centre social.